républicaine a appelé à une journée ville morte ce lundi 14 mai 2018. Quel bilan vous dressez de cette journée? Bon, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, je peux vous dire que le bilan est largement positif, puisque d'après les informations dont nous disposons, il n'y a pas eu 30% du commerce qui a fonctionné. Il n'y a pas eu 40% du transport et le service a été complètement paralysé. Ce qui prouve à suffisance aujourd'hui que la population de la Guinée en général et particulièrement nos militants et responsables partagent les valeurs que nous sommes en train de défendre. Puisqu'il est important de préciser que tous ceux qui ont observé ne sont pas forcément de l'opposition, des militants ou responsables. Mais on a appelé une journée ville morte et on a demandé à tout le peuple de Guinée, sinon à tous ceux qui sont épris de justice et de paix. Et nous avons compris que le peuple a besoin vraiment d'une nouvelle donne, un changement qualitatif et quantitatif de la manière dont les Guinéens sont en train d'être gérés aujourd'hui. Monsieur le ministre, vous dites que cette journée a été, le mot d'ordre de journée de ville morte que vous avez appelé a été respecté, mais nous étions sur le terrain aujourd'hui, pratiquement les boutiques et magasins ont ouvert, les stations d'hydrocarbures ont travaillé, notamment sur la route, l'autoroute et la route Le Prince d'ailleurs, qui a un peu fonctionné, la circulation était un peu fluide. Et est-ce que cette journée n'est pas un échec? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je n'ai pas dit 100%. Je dis 30%. Cela veut dire que ça a fonctionné. Et puis si on fait 100%, ce n'est plus la démocratie. Parce que Dieu même n'a pas fait l'unanimité. Si nous espérons faire de l'unanimité, ce n'est même pas la soviétique. Parce que même à la soviétique, on dit 99%. Monsieur le ministre, à quoi peut-on s'attendre dans les jours à venir? Sachez que nous allons renforcer et prendre toutes les dispositions pour organiser des manifestations qui vont amener ici la population à exiger de ce gouvernement qu'il fasse respecter la volonté du peuple de Guinée. Vous allez organiser les manifestations même pendant le mois du Ramadan? Mais vous savez, quand on parle de Ramadan, si je ne me trompe pas, on parle de l'islam. Et lorsque vous prenez l'islam, la référence est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La source d'inspiration, c'est le Coran. Et je vous apprends qu'en 624, la première grande bataille que les musulmans ont gagnée, c'était le mois de Ramadan. La bataille de Badr. La conquête de la Mecque. Là où tous les musulmans vont, doivent aller au moins une fois. Elle a été conquise pendant le mois de Ramadan en 630. Donc quand vous entreprenez de bonnes œuvres pendant le Ramadan, vous avez beaucoup plus de chances de succès, du soutien de Dieu que les autres mois. C'est pourquoi nous estimons que nous sommes en train de nous battre pour une cause juste. Et pendant cette période de Ramadan, on a plus de chances d'être soutenu par Dieu et d'être entendu par Dieu. Vous ne pensez pas que les citoyens sont éprouvés par ces manifestations pendant ce mois saint? Oui, mais le citoyen est beaucoup plus éprouvé par le vol, par l'injustice. La Guinée ne mérite pas cette situation. Au lieu de voir les conséquences, il faut voir la cause. Pourquoi la population est éprouvée? C'est parce que nous sommes mal gérés, parce qu'il y a de l'injustice, parce qu'il y a un petit clan qui s'accapare de toute la richesse du pays. Même la voix des gens, les voix des gens exprimées dans les urnes, c'est pourquoi il y a des problèmes. Et pour changer, il faut des sacrifices. C'est cet esprit de sacrifice que nous demandons à tous les Guinéens.